Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kiddush Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Resh Petet. Akol Chayavim Bemikra Megillah. Il nous dit le Rav, voilà, excusez-moi, la Chachet. Afa Pishaish Gva Yatsa Yede Chavad Kriya Megillah, Bekriya, Yeshe Bebet HaKnesset, Chozer Bekoria Megillah Bebeto, Leotzi. Excusez-moi, le Rav nous dit, même que l'homme, lui, il est déjà rendu quitte de Mikra Megillah, quand même, il peut rentrer chez lui et faire la lecture de Mikra Megillah. Et les femmes, ils ne sont pas obligés de venir à la Bet Knesset, parce que chez la femme, il n'y a pas de Rav Am Hadrat Melech. Et quand maintenant, un homme, quand il rentre chez lui, il fait un Mikra Megillah pour rendre quitte sa femme et ses enfants. Okay. Lui, il peut faire la bracha, tous les brachot d'Abraham. Il faut savoir qu'il y en a combien de brachot? Il y en a trois brachot. Al Mikra Megillah, Shasanissim, et après Shehiyan. Comme maintenant, quand tu es à Bet Knesset, le Shalia Sibou te rend quitte. Et les femmes ils vont répondre Amen. Alors il nous dit le Rav, et comme ça, les femmes ils vont se rendre quitte de la lecture de la Megillah Midin Shomea Kaone. Il faut savoir, il y a une machloket. Est-ce que les femmes, eux, ils sont Bedin Arvut? Qu'est-ce que ça veut dire Din Arvut? Din Arvut, ça veut dire que on est lié un à l'autre. Ça veut dire que Am Israël, même que moi je suis rendu quitte du Kiddush, je peux rendre quelqu'un quitte de Kiddush. Ça, c'est seulement dans les mitzvot. Dans les mitzvot, mais pas dans Birkot Hanehini. Birkot Hanehini, par exemple, moi j'ai mangé déjà une pomme, je ne peux pas maintenant faire pour Réparaès pour te rendre quitte, parce que moi je suis déjà rendu quitte. Mais dans les mitzvot, oui, je peux te rendre quitte, même si moi je suis rendu quitte. Alors ici, Mikra Megillah, moi je suis déjà rendu quitte dans la Bet Knesset. Après, je vais à la maison et je veux rendre quitte les femmes. Alors il y a une discussion, est-ce que Bukhla, la femme, elle peut se rendre quitte de moi, parce que sauf moi je suis déjà rendu quitte à la Bet Knesset. Alors, Shitat HaRosh, le Roche lui dit que non, les femmes, ils ont pas dit Narvout. C'est Machloké dans Rishonim. Là, la Halakha, il nous dit le Rav. Les Chachamim, les Poskim, ils sont Mechalkim, ils font une inspiration. Dans Mikra Megillah, il y a certains de oui des mitzvot, les femmes, ils sont rendues quitte Midin Avout. Ils ont oui dit Narvout, comme ici dans Mikra Megillah. C'est pour cela. Oui, même que toi tu es rendu quitte dans la Bet Knesset, tu peux y aller à la maison et rendre quitte tes femmes et ta femme, okay? Et ça c'est, et même tes enfants, et il n'y a aucun problème. Et comme ça, dans la Gemara, on a vu Rabbi Yoshua que lui il rentrait chez lui à la maison, il rendrait quitte toute sa famille, et il n'y a aucun problème. יש מאשכנזים שנוהגים שנשים מברכות קודם המקרא מגילה לשמוע מגילה במקום על מקרא מגילה אולם מנה כל הקהילות הספרדים שאב בקריאת המגילה לנשים יש לברך על מקרא מגילה וכן מנהג כן כמה מקהילות האשכנזים איפה סבור כלה פעם אוסי אל אתי דן למם נס פיסקו מנו אל אתי דן לנס אלה חייבת d'écouter la Mikra Megillah. Alors, il dit le Rav, il y en a déjà Ashkenaz, que les femmes, avant de lire la Megillah, ils font la bracha l'Ishmoa Megillah, au lieu de dire Al Mikra Megillah. Il nous dit le Rav, nous les séfarades, Av Api, Bekriat Aken, quand même, les femmes, eux, ils sont censés de faire la beracha al mikra megillah et pas l'ishmoa megillah. Parce que même elles,
elle est censée à lire la Megillah. Si par exemple, il se trouve dans un endroit, il se trouve dans un, par exemple dans un moshav, il y a les gens là-bas, ils travaillaient avant, ils travaillaient la terre, alors ils étudient pas. Et il y en a des jeunes filles qui sont à l'école, dans le séminaire, et les bakis de Mikra Megillah. Elle peut, oui, lire la Mikra Megillah et rendre quitte tout le monde. Rien que c'est, même avec les théamim, rien que c'est pas conseillé devant tout le monde qu'elle se met. Et elle dit comme ça à haute voix. Oui, comment elle doit gérer l'affaire? Se met dans une chambre à côté. Même qu'elle fait les théamim, comment tu chantes? Kol Veisha Erva. Cloqué dans la Gemara, est-ce que ça s'appelle Kol? Ça veut dire quoi Kol? Elle parle à sourd le Khalishmoa, à sourd d'écouter. Il y en a qui veulent dire non, d'écouter une femme qu'elle parle, il y a encore un problème. C'est de chanter, ça s'appelle Kol. Qu'est-ce que veut dire le mot Kol? Kol, c'est une voix. Une voix, il y a des poskins qui disent, tu n'as pas le droit d'entendre une femme parler. La halakha, ce n'est pas comme ça. D'entendre une femme qui chante, là, c'est assou. Mais si tu ne la connais pas, alors il y a des poskins qui disent que ce n'est pas assou. Ce n'est pas conseillé. C'est pas non, maintenant, lui, il entend une chanson, une femme, elle chante par la radio. Il a jamais vu. Il a jamais vu. C'est pas assou. Il a jamais vu et en plus, il n'a pas de chance de la voir. D'accord. C'est sûr que c'est pas trop conseillé si maintenant, lui, quand elle chante, c'est des chants qui ne sont pas corrects. Ça commence même pas, ça. Il faut savoir que nous, on n'a pas le droit de provoquer. Un homme, une femme, même, elle n'a pas le droit de provoquer. Un homme, il faut qu'il fasse attention, etc. Alors, c'est pour cela. Oui, la femme, elle peut se mettre dans une chambre à côté, elle rend quitte qu'elle tout l'assemblée. Et je me dis que les femmes qui ont été en train de se faire, elles ont été en train de se faire. Il y en a qui disent que, même qu'ils sont chayevet, la femme, elle est obligée de se faire, quand même, elle n'a pas le droit de rendre quitte les hommes, elle ne peut pas rendre quitte les hommes. Ça, chez les Ashkenazim. Yesh amrim shanashim yecholot dikro, yotzi anashim yedechovatam, echen dad maran ha-shukhan aruch, echen ikar minag ha-svaradim. Et comme il nous dit le Rav, d'après maran ha-shukhan aruch, les femmes, oui, ils sont obligés de lire la Mikra Megillah et ils peuvent rendre quitte aussi les hommes, il nous dit le Rav. Ainsi aussi, c'est le minag des séfarades, mikol makom. נחון לחור שדעת המחמירים של החלקה לא תוציא אישה את האיש ידי חובתם, אלא אם כן בשעת הדחק, בדיעבד, מי השומע קריאתה מאישה ודאי שיצא ידי חובתו ואין צריך לחזור ולקרותה. כן? נדעי לא רב, נססור, סימנו, זה פוסי. זה הנום קירונקית. הוא יסד פיוס קונסייה. אז כבר פריאורי, זה קונסייה כלא אירונקית, עושים מדרך כבוד. C'est pas kavod que la femme elle rend quitte un homme. Si maintenant ils n'ont pas le choix. Un homme, il est fatigué, il est à la maison, il ne peut pas sortir de la maison. Sa femme, Baruch HaShem, elle sait bien lire. Elle peut le rendre quitte. Elle s'assoit à côté de lui, elle prend la Megillah Kshera de son mari et elle le rend quitte. Isha sheyatza yedei chovat mikra Megillah. יש אומרים שמאחר ואין אנשים בכלל ערבות אינם בדין אף על פי שיצא מוציא ויש חולקים ואומרים שיכולה להוציא אנשים ידי חובתם שבמזווה שהיא חייבת יש לה דין ערבות גם כן, כמו שפוסו דיתות הלאור הניבות דה למחלוקת אז כל הפעם אלי עושי אלא דין ערבות ערבות, כן, עונה לי העלות כמו Ils ont les Kohanim, ils étaient en bas, et Am Israël, une partie de Shevatim, ils étaient à droite, Ar Eval, Ar Gerizim, et là-bas, ils ont pris le din Arvut. Maintenant, on est liés un à l'autre. Maintenant, la femme, est-ce qu'elle aussi, ils sont liés? Ils ont din Arvut, oui ou non? Alors, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non.
Alors, puisque maintenant, d'après ceux-là qui disent que les femmes, ils n'ont pas d'inarvout, mais là, quand eux, ils sont rendus quittes, ils ne peuvent pas rendre quittes même les autres femmes et cocher qu'elles les hommes. Il y en a qui disent que non, quand même eux, ils ont un dinarvout. Ça veut dire que les femmes, d'après la halakha, comme ça il nous dit le rab, comme ça il tranche le rab, que même que la femme elle est rendue quitte, elle peut, oui, rendre quitte les autres femmes. C'est-à-dire, l'ishmael qui atam pi adam shechayav et mikra megillah, l'achen katan enom motzi acharim et dechomatam afilu igia de chinuch. ובשעת הדחק הגדול כשאין שם גדול שיקרא את המגילה יכול קטן שיקרא לחינוך להוציאם ידי חובה נכון שבשעת קריאת המגילה יקראו אחריו מתוך מגילה כשרה מילה במילה כן, אלא ידין רב On est censé avoir ce rendez-vous de quelqu'un que lui il est hayab de lire la Megillah. Ici c'est un katan. Okay. Savoir que le Katan, lui, il a l'obligation de lire la Megillah Midi Rabbanan. Ah, tu vas te dire que nous aussi, on est Midi Rabbanan. Mais lui, le Katan, il a très des Rabbanan. Vas-y, très des Rabbanan. Il a deux Hiyoub des Rabbanan. Comment? Moi, toi, on a un Hiyoub des Chachamim d'écouter la Mikra Megillah. L'enfant, il a le Hiyoub des Chachamim. C'est Makhloké. Est-ce que c'est le père que lui qui est Hayav de l'éduquer, ou c'est le katan que lui, qu'il est hayab de s'éduquer. Par exemple, le père, il n'est pas là. Le père, il est en Australie. Alors le petit, on va dire, il est dispensé. Non. Le petit, il a 6-7 ans. Les hachamim, ils ont dit, toi, tu es hayab des mitzvot, mi des rabbanan. Mais là, c'est un hayoub des rabbanan. Et un autre hayoub des rabbanan de l'ikro megillah, ça s'appelle tré des rabbanan. Et lui, puisqu'il est deux des Rabbanan, il ne peut pas rendre quitte un homme qu'il est un des Rabbanan. Alors c'est pour cela, le Katan, lui, il ne peut pas rendre quitte les hommes. Et il nous dit, le Rabbi, qu'on n'a pas le choix. Il n'y a rien qu'un Katan, celui qui sait bien lire. Il n'y a pas, à part le Katan, quelqu'un d'autre qui sait lire la Mikra Megillah. Alors, le Katan, lui, il peut rendre quitte les hommes, mais... Oui, c'est conseillé, et il faut faire ainsi que chacun il prend une Megillah Kshira et il lise après le Katan mot par mot. Mechanchim et Taktanim lishma mikra Megillah. Vektanim shelo yigiu lechinuch en abiyam lebet haKnesset. Shehem rak mebalbelim et hashomim uchayvim bekriata. Vehamibiyam lebet haKnesset chet rabim nasa. Velachen al gabai al gabei bet haKnesset laamod al hamishmar velehashgiach. שלא יפריעו הקטנים והקאות, המן ברעשנים ובקדחי פורים, ופיצוצים אחרים, הגורמים להפרעת הסדר בבית מקדש, מקדש קטן מעט, וגימת מניעת שמיעת מקרא מגילה כהלכה לאנשים מחויבים. הלא, on est obligé de éduquer les enfants מדרבנן, pour venir écouter le Mikra Megillah. Et les petits, chez Loïgia Lechinour, qui ne sont pas arrivés à l'âge de 6 ans, alors, pas besoin de les emmener à la Beta Knesset. Pourquoi? Parce que dans la Beta Knesset, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont perturber les Shomim. Puisqu'ils vont perturber les Shomim, faut savoir, c'est qu'on, il faut faire très attention quand on emmène les enfants à la Beta Knesset, s'ils vont perturber le Kaal, c'est mieux que vous le laissez à la maison. Ah, je veux que lui qui répond Baruch Hoshemé, et il veut répondre Amen, il veut voir maintenant comment on tape sur avec les pieds, quand on dit Aman, reste tranquille. C'est dommage, qu'est-ce qu'il faut de ce projet d'avoir? C'est la faute, elle est sur la tête du petit et la tête du papa. Pourquoi il l'a emmené? Ah, ça arrange bien la maman. Comme ça, la maman, maintenant, elle va bien arranger les michelards en autre. Eh ben non, c'est pas conseillé. Pourquoi? Après, la faute, elle est sur qui? Sur le papa et sur l'enfant. Sur le papouille. C'est pour cela, c'est oui conseillé que papa, il prend en considération
qu'il prend ses enfants, il les laisse à la maison s'ils ont moins que... Si maintenant lui, il a plus que 8 ans, ça va, tu sais que lui, pendant une demi-heure, il peut rester tranquille devant la Mikra Megillah. Alors là, Mano, c'est bien. Mon fils, fais attention. La Mikra Megillah, même quand tu entends Aman, tu dis rien. Il y en a des gens, quand ils entendent Aman, ils se défoulent. Il y en a des gens qui ont 50, 60 ans. 60 ans, le bonhomme, lui, avec ses pieds, il tape par terre à... très fort quand il entend Aman. Arrêtez. Après, quand on a fini Mikra Megillah, là, tape tout ce que tu veux, tant que tu veux. Hein? Jusqu'à demain. Il y en a, mamache, au milieu de Mikra Megillah, il tape, c'est dommage. Il faut que le rab, avant Mikra Megillah, qu'il dit, ou les gabaïm, ils disent, excusez-moi, quelqu'un que lui, qui est au milieu de Mikra Megillah, il a un pétard, il a tout ce que vous voulez, il empêche de Mikra Megillah, parce que c'est dommage. Un mot, tu as raté, un mot. Il y en a des postes qui me disent, tu pars du pied. C'est dommage, tu es venu jusqu'ici. Et là, il y en a des gens qui sont devant leur Megillah, qui écoutent mot par mot. Ils n'ont pas une Megillah Kshera. Si tu avais une Megillah Kshera, Nicha, comment ? Aval sauf, tu n'as pas une Megillah Kshera. Tu es censé à écouter le Sheliach Tzibur chaque mot. Okay? Et puisque maintenant tu es censé à écouter chaque mot, tu n'as pas le droit de faire une erreur, d'écouter n'importe quoi, de taper Aman. Après, tu te défoules si tu veux. Tu entends, tu dis Aman même 100 fois et tu tapes Aman 100 000 fois, tout ce que tu veux. Et pas au milieu de Mikra Megillah. C'est pour cela, papa, maman, n'envoyez pas les enfants si vous savez que eux, ils vont perturber. Gabayet Zdaka, les Gabayim de la Beta Knesset. Vous êtes censés à dire à tout le monde et de se tenir même debout. Prenez le Megillah, un homme que lui, que vous voyez qui tape, vous le regardez un peu de travers. S'il n'a pas compris, un peu de travers, Kamana. Ici, on ne fait pas ainsi. Ken, c'est dommage. Sinon, vous lui dites gentiment, excuse-moi, c'est difficile pour toi, mets-toi dehors, tape tant que tu veux, après tu reviens. C'est le rabbin base ici. Personne qui... un pétard. Le rabbin dit, assaut. Tu veux ta pétard après. Fais le pétard après. Et pas pendant le Mikra Megillah. Hayresh amdaber ve'eno shomea she'eno yachol le'ashmiya le'ozno. Eno chashuv kol kar ba'hayuva. Nikach, afalpi, she'u tzair likrota, yevan shaf u aya be'oto anes mikol makom, eno yachol le'otzi et ha'chayim et dechovatam. Aval, mi she'kavdu ozna min shmoa וצריכים לסעוק עליו בכל רם, כדי שישמע, חייב לקראת בקריאתה לכל הדעות ומוציא אחרים ידי חובתם. Alors, un sourd que lui qui parle, et lui, il ne peut pas entendre. Amina. Il ne s'appelle pas que lui qui est Hayab de Mikra Megillah, Kolkar, il dit le rab. C'est pour cela, même que lui, il peut lire la Megillah, que lui, il était dans le Nes, quand même, il ne peut pas rendre quitte les autres, parce que lui, il n'entend pas. Puisqu'il n'entend pas, il ne peut pas rendre quitte les autres. Aval, un homme que lui, il n'entend pas. Tu l'appelles, quoi? Pépé, quoi? Et encore, il répète. D'accord, il ne t'entend pas. Ah, il va mettre un petit truc là, dans des petits marchirim, on dit en hébreu, et il va t'entendre. Okay. Alors là, oui, puisque maintenant il est Hayav de Mikra Megillah, il peut rendre quitte aussi les autres. Michel Cholishmoa le dechazosot. Et non, Nikra Heresh et Nyanzer, Motia Harim et Dechova. Et Ren Bismaneno Che Kabdez, Hashmiya Hashema, Manirim, Samor Lozneem, Mechonat Shmiya Hashmalit, Hashemia le dea Mechona Azot, et non, Nikra Heresh, Motia Harim et Dechovata. Qu'est-ce qu'on vient là, la Chakom vient de dire? Si un homme, lui, maintenant, il n'entend pas la Megillah seulement s'il va mettre maintenant un appareil audio. Alors là, il peut rendre quitte tout le monde, puisque lui, maintenant, il est Hayab de Mikra Megillah. Ashomea Mikra Megillah Beradio et Noyotse de Romato. Un homme que lui, qu'il écoute
Le Mikra Megillah de la radio, il n'est pas rendu quitte. A philo, même que lui qui l'entend en direct. Okay? Parce que quand tu entends en direct, c'est pas sa voix que tu entends. Alors, c'est la vibre, Mibrena, ça s'appelle, comme il dit. La vibration, exactement. Mais par contre, le Kaddish, les Amenim, Baruchov Shemo, oui, on est censé à répondre. On n'est pas rendu qui. Bon, je vais vous dire entre parenthèses quelque chose. Les Rabbanim de notre dos, ils veulent dire comme ça, qu'aujourd'hui, avec les marchirim, les appareils qu'il y a aujourd'hui, il y a une distance. Quand on entend le Rav, que lui qui fait la tfila, la tfila, on entend une seconde et demie, même deux secondes après que lui il parle. Il a dit le mot. Mais là, puisque maintenant, on est dans une distance de deux secondes, une seconde et demie, ça s'appelle pour dire Shalom Yalecha Rabbi. Oui, on peut être mitzaref le minyan. Ça veut dire, comme ça aussi on fait les slichot. Il y en a ceux-là qui sont en France, ils sont à 11h30. À 11h30, non, ils se trouvent en France à 11h30. Ici en Israël, c'est déjà minuit et demi. Ouais. Oui, eux, ils peuvent. Avec le lavian, ils écoutent et ils sont mitzarefim le minyan. La condition qu'il y ait déjà minyan dans la synagogue. Oui, on parle de laquelle synagogue? En Israël. Oui. Ils se mettent à rêver avec ici. Oui, mais c'est pas qu'ils sont 5 en Israël et 5 en France. Non. Même tu te trouves à la maison. Un homme, c'est dommage, si maintenant il est censé y aller à la Beta Knesset. Mais si maintenant lui, il est à la maison, il est fatigué. Et à la Beta Knesset, ils ont. Pas l'Internet, parce que l'Internet c'est plus qu'une seconde et demie. Par exemple, la radio. Dans la radio, c'est. Quand ils disent dans les Shidurim, c'est en Israël, après une seconde, deux secondes, deux secondes, déjà tu entends directement. Mais avec l'Internet, c'est plus, cette fois trois secondes. Mais là, tu te rends pas quitte. Kavana, pas te rend quitte au niveau de Mikra Megillah. Mikra Megillah, on n'est pas rendu quitte. On est Mitztaref les Minyan. On peut être avec eux quand eux, ils sont 10 là-bas et nous, on est associés avec eux. Il n'y a aucun problème. Comme, par exemple, comme la radio. Ok? La Shomer Mika Megillah, la radio, et non, mais un amen. Mais si maintenant on t'a entendu, c'est pour ça qu'on fait très attention quand nous, maintenant, on enregistre les shiurim, de ne pas faire la bracha à haute voix. Parce que si on fait la bracha à haute voix, si quelqu'un il va répondre amen, c'est amen et Thomas. On n'a pas le droit de répondre amen et Thomas. Avalim Shomer Abrachot, Beshidouchai, on est amen. Si vous entendez en direct les brachot, là, oui, vous êtes censé répondre amen. Et rien à chômer à Birkot, derrière un téléphone, on est amen. Un homme que lui qui l'entend par le téléphone, il répond amen. Aval et noyotse et dechova, j'ai un adam chômer à ta col mamash. Par contre, tu n'es pas rendu qui parce que tu n'entends pas la voix mamash. Elat nous dot mimbrena, j'ai notre soi l'idée à medaber la marché en elou, vat nous dot nous avarot, mem saoud, zereb, hashmali. Et en fin de compte, tu n'entends pas la voix de l'homme. C'est la mimbrena, ça s'appelle, qui sort de l'appareil, et pas la voix mamage de l'homme. Chez Oulam et Akneset Racham Meod, au bon cas, le gador l'ishmo à Megillah, Hashmim Mikra Megillah à l'aide Ramkol, et Hashmim Zamor le Shaliat Sibou, au fin chez Gam, im inatel à Ramkol, Yukulu l'ishmo à Mikra, Ken Mashiat Sibou. ואין העם כל אלא מסייע להגברת קול השליח הציבור, יוצאים מדי חובתם ושתדעו להתקרב לשליח הציבור, לשמוע את קולו ממש. אבל יושבים רחוק מהשליח הציבור, שבלעדי הרמקול לא היו יכולים לשמוע את הקריאה מהשליח הציבור, לא יצאו מדי חובתם, ובאופן כזה אין להשמיע קריאת המגילה על ידי הרמקול. כן, איפה סבר למיקרו, עונה, פותחי התורסיון. Quand un homme il va à la Beta Knesset, quand on écoute avec le micro, comme Mikra Megillah, si maintenant tu te trouves très loin du Shaliat Sibour
Et le Shaliar Tzibour, lui, sans, si sans le micro, tu n'entends pas, rien qu'avec le micro, tu vas l'écouter, tu l'entends, alors tu n'es pas rendu quitte même avec le micro. Ah, je l'entends, mais non, tu n'entends pas la voix du Shaliar Tzibour. Seulement si maintenant, tu te trouves à une distance que sans le micro, tu vas, oui, entendre le Shaliar Tzibour. C'est vrai que tu vas l'entendre très à voix basse, mais quand même, tu l'entends. Puisque tu l'entends, tu es rendu qui? Même que tu l'entends maintenant avec le micro. Okay? Et là, il faut faire très attention. Ça veut dire que avant la Mika Megillah, tu te mets dans, dans une distance que, oui, tu entends le Shaliar Tzibour. Comme ça, tu es rendu qui? Souma ve ilem. Hayavim nishmoa mika megila me'acher. Un aveugle ou un homme qui ne sait pas, il peut pas parler, ils sont obligés de écouter la mika megila de quelqu'un d'autre. Okay. Maintenant, on est dans siman taf resh tzadik dine mika megila. השליח ציבור צריך לקרוא, לברך ולקרוא המגילה מעומד מפני כבוד הציבור. השליח ציבור לוי לסנסה, לפי לברכות דבו, פור לונר דו ציבור. יש נוהגים שכל הקהל הנמצא בבית הכנסת עומד על הרגליו בשעת הברכות של המגילה, ואחר כך יושבים וקוראים המגילה. יש נוהגים שהקהל יושב בין בשעת קריאת המגילה, בין בחותיה. מכל מקום יעשו כמנהגם, הנוהגים לעמוד ולרקוד, גם כשקוראים בבית להוציא את האנשים מידי חובה, טוב שיעמדו בעת הברכות, אבל קריאתה בבית אינה צריכה מעומד. מדין הוריו ינא כאיזו המנהג, כתוס דון לבית הכנסת, איזו מדבו, כאן איזו נתון לברכות, אי אפרי לברכות, בואו איזו רפונדו אמן, אי איזו סווה. Il y en a que leur minag, qu'ils sont assis même quand ils disent des brachot ou même dans la Mika Megillah. Mais par contre, dans la maison, okay, celui-là qui veut être debout, il est debout. Celui-là qui veut être assis, il est assis quand on fait les brachot. Tov sheshne anashim yamdu miyemin ou mismol, vashaliyat tzibur, be'et abrachot vekriyat amegillah. C'est conseillé qu'il y a deux hommes qui se trouvent, un de droite, un de gauche du Shaliar Tzibour, quand on lit la Megillah. Il y a des gens qui ont dit il y en a qui disent, comme c'est assourd, il faut faire très attention de ne pas toucher un Sefer Torah. On parle de la Iria, le Sefer Torah en lui-même, quand on veut faire la Glila. Okay? Pas avec tes mains. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, un homme que lui qui touche le Sefer Torah, on parle de la Iria, le parchemin, Nigva Arum. On l'enterre nu. Alors, pour ce qu'ils me disent, non, pas qu'il perd Chas V'Shalom et Mitzvot. Et là, on l'enterre nu, Kavana, il perd la mitzvah. De cette mitzvah. Ça, c'est le tikkun. Il y en a qui disent que non, de cette mitzvah, de ne pas toucher le Sefer Torah avec les mains qui sont découvertes, ça, il a perdu l'homme. C'est pour ça que tu peux faire très attention à la Beta Knesset. C'est pour ça qu'il y a les foulards. Pourquoi il y a les foulards? Hein? On fait attention aussi dans les foulards. Comment? Pour cacher quand il fait les brachotes. Aussi. Maintenant, il y a les roulettes aussi. Tu n'as pas besoin de toucher. Aujourd'hui, il y a les roulettes. Mais s'il n'y a pas de roulettes, comment tu fais? Tu prends le foulard. Tu mets où ton talit? Ou ton talit. Tu prends ton talit. Et tu le rends dedans. Et tu tournes. Et tu n'as pas le droit de toucher. Et il y en a même plus qui font cela. Il y en a des communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils déboîtent. Non. Ils prennent le Sefer Torah,
la veille de Shabbat, et il met un drap blanc, et comme ça, quand il roule le Sefer Torah, il y a un drap derrière. Tout le temps. Tout le temps. Et mais là, quand... ils viennent pour le dérouler, le rouler. Voilà, quand ils vont le rouler, il y a le drap qui est un drap blanc, et comme ça, il y aura un problème. C'est un chiton. C'est un chiton. C'est comment? À l'intérieur ou à l'extérieur du clap? C'est pareil? Oui, le clap, c'est pas partie, même à l'extérieur. De toucher un clap de Sefer Torah, c'est assaut. Alors maintenant, quand même, qu'est-ce qu'on peut oui faire? Il nous dit Nova. On peut laver les mains, on fait l'indicier à Tedaim. Et là, on peut toucher. Et essuie-toi bien. Attention de ne pas toucher le claf quand tu as les mains mouillées, parce que des fois, tu vas toucher une lettre et une lettre avale, elle va se. Les gens, ils ne font pas attention des fois. Les mains, ils sont mouillées. Ok? Et il parle pour la Megillah. On parle de la Megillah. C'est vrai que si maintenant, il y a une. Dans la Megillah, s'il y a une lettre qui est un peu cassée, ou il veut l'arranger, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas qu'il s'y drame. D'accord ? Il n'en est pas mahmir comme le Sefer Torah. Mishinafla Megillah, Megillah Miyado, Megillah La Aretz. En, Tsayer, L'Etanot, Al-Kav, comme le comité d'opinion, Tanit, et Zdaka. Si une Megillah, Chazal Shalom, elle est tombée des mains d'un homme, okay? Pas besoin de faire Tanit. Oui, c'est conseillé de donner la tzedaka pour faire pidyon. Mi sheyesh biyado megillah kshira vekora yachad im shaliach tzibur shal levayer be'atzmo velachash im shaliach tzibur ve'nachush beze levracha shel atzlacha mikol makom adif yoter lishmo brachot mipi shaliach tzibur shemekavel lehotzi et kol hashomim yedei chovatam mishum lishebrov am adrat melech ve'yaneh acharav amen. Un homme qui lui, qu'il a une Megillah Kshera. Il faut savoir comment se comporter quand on a une Megillah. Okay? C'est pas parce que tu as une Megillah, c'est bon, tu fais tout ce que tu veux. Tu lis à haute voix, ton copain à côté. Il t'entend. Il va rendre quitte. Et parce que pourquoi? Parce que toi, tu penses pas à le rendre quitte. Mais le Shaliach Tzibur, lui, il est censé à penser à rendre quitte tout le Kaal. Et le Kaal, ils sont censés à penser de se rendre quitte du Shaliach Tzibur. C'est pour ça que le Shaliach Tzibur, qu'est-ce qu'il dit? Yoshut Moray Barabotai. Tout le monde il dit Shamaim. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire Shamaim? Shamaim? Shum Shamaim? Non, ça veut dire Shomea Mashmia Yachad Mikavnim. Ça c'est Shamaim. Shamaim. Shomea Mashmia, le Shaliach Tzibur. Yahad Yud Mikavnim. On est nous deux. Nous, le Kahal et le Shaliach Tzibur, on pense à se rendre quitte. Alors, quand le Shaliach Tzibur, lui, il te rend quitte, toi, quand tu as une Megillah Kshira, si tu veux faire la bracha, alors, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, sauf quand tu dis la bracha, tu veux te rendre quitte. Et lui, le Shaliach Tzibur, il y rend quitte cela qu'il veut se rendre quitte. Mais là, ça ne s'appelle pas bracha Shena Tzricha. Pourquoi tu vas faire une bracha que tu vas entendre une bracha? Ça s'appelle soi-disant une bracha shena tzricha. Comme par exemple, c'est à gérer. Qu'est-ce que je vous dis là? Le kémia. Un homme, il veut faire le kiddush. Il fait le kiddush. Et à la maison. Et on lui emmène. Il est devant sa table. Et on lui emmène des cacahuètes. On lui emmène des pistaches. On lui emmène des petits misonotes. Et tu vas faire un motzi. Comment tu manges tout cela? Qui t'a dit? Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle bracha shena tzricha. Et aussi, quand maintenant tu vas manger, peut-être tu vas manger plus que kazaït, ou tu vas manger une bria, tu vas manger une cacahuète entière, un olive entière. Mais là, tu vas être hayav de faire boré nefashot. Si tu es hayav de faire boré nefashot après le mandama, c'est-à-dire que nous, on ne pense pas comme ça, mais sauf que tu rentres dans une grosse marloquette. Et c'est conseillé. Fais Netilat Yadayim. En semaine ou Shabbat? En Shabbat. En semaine, encore pire. Même en semaine. Pourquoi? Parce que tu as la table devant toi. La table, elle est devant toi. Non, je suis invité, je ne sais pas où je vais aller. Comment? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans le balabaït. Je suis invité, je ne sais pas qu'il y a un balabaït. Il m'a dit qu'il y a un apéritif, un chab. Là, je suis revenu à Tiagidli, il y a Netilat Yadayim. Alors, quelle est ta question?
האם אני צריך לשאול אותו מה הכוונה שלך, או ללכת איתו לזרום? פתאום, איפה סבור כ... וזה לא עליי העניין. אין קידוש אלא במקום סעודה. כמובן שבנו אני אפל קידוש. יש כאלו שהם קרובים אליי, אני יכול לשאול אותם. יש כאלו שאני לא מכיר טוב אותם, ואני מוזמן אליהם. אז מה, אני רוצה לשאול? רגע, si maintenant tu es invité, et lui fait kiddush, si c'est pas la halakha, tu veux lui dire. Tu es obligé de dire, est-ce qu'il y a les mezonot? Si elle n'a pas m'écouté. Hein? Si elle n'a pas m'écouté. Tu ne veux pas de kiddush? Pas kiddush avec lui. Tu écoutes, tu ne manges pas le kiddush, tu ne vois pas le kiddush. Parce que tu es censé à faire le kiddush et te rendre quitte, kiddush, comme Souda, ça veut dire quoi? De prendre mezonot. Ou de prendre un réveil. Il va faire les brachot, mais si je lui dis qu'il ne faut pas faire les brachot, avec brachachin et tzricha et tout ça, il va venir, c'est là. C'est d'accord. Alors, si maintenant il va faire tout de suite après, il va manger des petits kémia comme ça, il va faire motzi, aucun problème. Ah, s'il enchaîne motzi direct après. Je parle maintenant brachachin et tzricha quand il enchaîne motzi tout de suite. Oui, alors ça c'est brachachin et tzricha. Voilà. Mais s'il ne va pas faire motzi, il n'y a pas de problème. S'il ne va pas faire motzi, s'il ne va pas faire motzi. Il va faire un apéro avec briot, l'eau briot, kazaït, l'eau kazaït, il n'y a pas de problème. Il faut manger maintenant kazaït, oui, de maisonot, où tu prends un révi'i de vin. C'est ça. Là maintenant. Je ne sais pas, ma kavana chez lui, après l'apéritif, s'il va faire motzi, dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, juste histoire de faire l'apéritif, parler un petit peu, prendre une petite boucle, quelque chose, et il va faire des siestes. Je ne sais pas si sa kavana c'est ça. Ou c'est de faire un vrai apéritif et dans une heure et demie, on attend de t'inviter. Tu poses la question? Il y en a que je connais bien, c'est mes parents, mes beaux-parents, mes oncles, mes tantes, mes beaux-frères, mes sœurs, tous posent la question. Maintenant, je suis invité chez quelqu'un, il est en pleine simra, je vais aller le voir, je vais faire le lourd, je vais lui dire, vas-y, dis-moi ce que tu vas faire. Il fait le kiddush. Il a fait kiddush. Je suis dans une simra. Et t'as pensé à te rendre quitte? Tu penses à me faire un kit. Maintenant, lui, il veut faire un apéritif. On tu manges rien, tu ne goûtes rien du tout. Si maintenant, lui, il va t'emmener un maisonnote, écoute, s'il va te donner un maisonnote, okay. Ce maisonnote-là, maintenant, tu as pris, tu as rendu kit. Ou, qu'est-ce que tu fais? Tu attends en premier. J'attends. S'il reste 2 heures après, j'attends 2 heures. Pas 2 heures. Non, je ne sais pas quelle est sa kavana. C'est ça ma question. Tu verras, tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui se passe. Ah, ok, alors, bonne si avis. Maintenant, toi, tu penses à te rendre kit en premier du kidouche. D'accord. D'accord, ça va. Tu es obligé. On te rend quitte. Maintenant, mais lui, si je ne mange pas et je ne bois pas le kiddush, je ne me rends pas quitte. Oh, ben, regarde. Lui, il... non, comment tu dis? Si je ne vais pas boire le kiddush, ou je ne vais pas manger les kazaïd de maisonnote, ou d'autres choses, je ne suis pas quitte. Je répète une autre halakha. Regarde bien. Si maintenant, lui, il a fait le kiddush, tu n'es pas obligé de boire le vin. D'accord? Pour me rendre quitte. Pour te rendre quitte. Parce que lui, t'as déjà rendu quitte. Ok. T'es pas l'homme échané. Même si t'as pas goûté le vin. Et si j'ai rien goûté. T'as rien, tu es rendu quitte. Ça veut dire que je peux aller chez moi et faire mon. Attends, mon attends, tu vas trop vite. Doucement. Tu es là-bas. Je fais exprès. Je sais, maintenant écoute. Si maintenant tu te trouves chez monsieur, c'est ton comme monsieur Lévy. Ouais. Et maintenant monsieur Lévy, maintenant il fait le kidouf. Donc, tu ne sais pas maintenant s'il y a des maisonnotes ou si maintenant il va faire le repas. Alors, toi, tu entends le kidouche de monsieur Lévy que lui qui pense à te rendre quitte. Et tu restes une petite réflexion. Tu vois si maintenant ils ont emmené aussi le pain. Mais là, ça va être directement. Il va tout de suite faire le motzi. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu es rendu quitte du kidouche. Maintenant, tu attends, tu ne manges rien du tout. Parce qu'il va faire motzi. Parce qu'il va faire motzi. Parce que je pense qu'il va faire motzi. Et maintenant, toi, tu es rendu quitte du kidouche et tu vas faire motzi, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant tu vois que ça bouge ça pas, bouge, excuse-moi. Ça bouge, mais ils n'amènent pas le pain. Voilà, ils n'amènent pas le ils pain. Ils ne parlent pas de pain pour mais là, ça va être le kidouche. Ça va traîner. Ça va traîner. Alors là. Je peux faire mes brachot. Comment? Je peux faire mes brachot. Tu peux faire tes brachot, mais il faut faire attention de manger kazaït, maisonot. Ou si tu n'as pas maisonnote, tu prends un verre de vin. Et je bois un Revit. Et tu bois un Revit, c'est... Pas au Revit. Revit. Un Revit, c'est 86 millilitres. Centilitres. Pour le kidouche, si toi, tu veux rendre quitte tout le monde, tu vas te rendre quitte du kidouche, tu n'es pas obligé de boire 86 millilitres. Au Revit, m'explique. 44 millilitres, ça va. Razakobao. Vas-y, ça.